Marmande. Mesdames, bonjour. Allez, posez sur la table. Bonne journée, bonne plantation. Voilà. Voilà, installez-vous, messieurs, dames. Et je vais vous présenter celui qui va vous parler de la permaculture. On a proposé une méthode qui est aujourd'hui en actualité avec beaucoup d'avantages et moins d'efforts. C'est une méthode déjà écolo-responsable. Je suis certain que ce sera une grande journée qui en appellera d'autres dans les mois et années à venir. Bonne journée à tous, sous un soleil radieux, je l'espère. Vous êtes sur le site de Biocultura, l'enseignement des jardins coquins. Sur la structure de Biocultura, il y a ici, donc, je disais, il y a 30 personnes qui sont en insertion. L'objectif, c'est sur une base de maraîchage de pouvoir développer l'emploi, et retourner à l'emploi, sur une base de travail. Élise va accompagner la personne dans son projet pour l'affiner, et puis il y a celui qui ne sait pas ce qu'il va faire, et donc Ellipse cherche, essaye de trouver un projet cohérent avec ces personnes. Et ça va continuer, on a commencé, je crois, Jean-Philippe, avec 6 ou 7 personnes à l'origine, et puis maintenant on a plus d'une vingtaine de personnes qui sont accueillies. La loi de transition énergétique qui nous a été imposée en juillet 2015 nous oblige à réfléchir justement sur la gestion de ces fameux déchets organiques. Et on a vu tout à l'heure dans la présentation qu'au niveau du maraîchage et dans le cadre de l'utilisation de cette matière organique, le monde agricole et le monde du maraîchage peuvent être des partenaires intéressants et des partenaires privilégiés. Donc nous y travaillons au jour d'aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à nous solliciter, nous, Ville de Roanne. Je sais qu'on a évoqué plusieurs idées d'amélioration de la vie sur les jardins Biocultura. Donc on est à votre écoute et n'hésitez pas à nous solliciter. C'est important pour nous, les élus, de pouvoir nous rendre compte de ce que vous faites et de venir sur place. Ça nous permet d'orienter certaines décisions. Il faut plus de moyens. Et dans ce domaine, je crois que l'argent public est bien investi, puisqu'il travaille pour l'avenir, sans autre espoir de retour que la réussite de l'ensemble des salariés ici en insertion. Thank you.
chantier. Alors ils mettent le cercueil sur une gondole et la famille suit à la nage. Oui. Alors moi j'ai demandé à mes élèves, bah de quoi il est mort le gars. Il m'a dit il est venu à un enterrement, il savait pas nager. On peut pas tout avoir. Ah oui, et du coup on aère mais sans retourner à la terre. Voilà, ça, exactement. C'est ça. Donc vous laissez les organismes à leur place. Dessus, d'accord. La grandinette. La grandinette, c'est M. Grelin qui a inventé. Comme la trottinette, c'est M. Trottin. Et M. Brand, il a le. Bien sûr. Voilà. D'accord, ok. But à la largeur de la grandinette. Et puis ce qu'on a fait en bas, elles sont. J'en ai peut-être pris trop large là. Chaque association, que ce soit Biocultura, Ellipse et Valorise, présente un petit temps pour présenter son activité. Le choix qu'on a fait, nous, c'est de donner la parole à nos stagiaires. C'est-à-dire, je ne veux pas beaucoup parler, moi. Pas folle, la guêpe. Simplement, peut-être une petite présentation pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas encore suffisamment. Donc, Ellipse est une association qui date déjà de 1992. Je me présente, je m'appelle Christophe. Donc moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je remercie bien les bénévoles. Ils sont toujours présents, comme pour les maths et le français. Ils nous écoutent tout le temps. Sans problème, ils sont là. Pour moi, c'est on veut les applaudir, même les profs. Bah, moi, je suis super bien content de l'atelier que j'ai fait, et surtout d'Ellipse, que quand j'ai commencé à Annie Achelli, je ne sais même pas lire ni écrire. Didier, on va pleurer après la peine. Didier, vous avez fait quelque chose que je trouve mais vraiment magnifique et que vous nous avez montré il y a quelque temps. Didier a choisi d'écrire sa vie. Je savais pas trop écrire ni trop lire. Maintenant, ça va. Je peux faire la liste des commissions et tout. Quand je peux aller accompagner mon fils aussi à faire ce qu'il a à faire, qu'avant, j'aurais pas fait quoi. Avant, je savais pas ni à lire, ni à écrire, ni à parler devant tout le monde. Pour moi, c'est une lumière des jours. Tous les jours, quand je pense à Ellipse, je me sentais heureux. Parce que je suis heureux avec mes enfants. On ne peut pas apprendre si on ne fait pas d'erreur. L'erreur fait partie de l'apprentissage. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. J'ai jamais scolarisé. Et là, aujourd'hui, je suis parmi vous. Je parlais à haute voix. Je parle en français que j'ai jamais pris, que j'ai jamais savoir à écrire. En fait, le moment que j'ai déjà vu que j'arrivais aujourd'hui à savoir écrire... Ce que j'ai écrit dans mon petite histoire qui est là-bas. Et puis j'ai dit pourquoi pas d'aller voir les autres parce que je sais qu'on est nombreux, mais on est derrière, on se cache derrière le mur. Qu'on ne peut pas sortir, on a peur. C'est pour ça que j'ai dit pourquoi pas qu'on ne peut pas y aller vers les autres pour parler si on peut les aider de venir apprendre à lire et écrire.